Le clou de girofle est un puissant antiseptique, un puissant antibactérien et un puissant antifongique. Une étude menée au cours des années 2000 en Inde a mis la lumière sur ses propriétés miraculeuses, ainsi que l'impact que le clou de girofle a sur l'intimité de l'homme et sur la femme. Je vous assure, les résultats étaient tout simplement époustouflants. Pour bénéficier de ses propriétés dans votre couple, encore faut-il savoir comment l'utiliser. Je vous fais démarrer la semaine dans des conditions les plus extraordinaires avec un sujet vraiment épatant. La dernière fois, je vous avais présenté un gommage externe pour changer tout dans votre zone sensible. Aujourd'hui, mes chéris, en ce début de semaine, je reviens avec quelque chose d'autre, quelque chose que vous devez consommer de manière orale, qui n'a rien à voir avec le gommage, mais qui fait plus que ce que le gommage fait. Car je vous assure, cette recette est multi-action. Elle ne viendra pas seulement comme le gommage nettoyer votre fleur, votre zone sensible. Non, elle va tout simplement aller beaucoup plus loin. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Léonie Coach. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie-Léonie. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. De mon côté, tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne Marie-Léonie Coach, je me demande bien pourquoi. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas d'activer toutes les cloches de notification. Pour ceux et celles qui font déjà partie de cette extraordinaire communauté, je n'ai plus besoin de vous dire que je vous love, mes chéris, que je vous fais plein de bisous, que je vous souhaite un excellent début de semaine. Sans plus tarder, on va se lancer dans la recette. Soyez à l'écoute et très attentif par rapport à ce que je vais dire, parce qu'en préparant la recette, je vais également vous dire ce que le clou de girofle viendra faire dans votre zone sensible et également les bienfaits qu'elle vous apporte pour votre santé. De plus, la santé de votre fleur en dépend, mes chéris. Je vous dis toujours, c'est une zone dans laquelle il ne faut pas blaguer. Il faut prendre votre petit bijou. Il faut en faire votre priorité, parce que c'est là-bas que tout s'arrête. C'est là-bas que le monde s'arrête pour vous. Celui qui peut me prouver que cette partie ne fait pas notre bonheur à tous et à toutes vient me le dire inbox. Donc il faut prendre ça comme un œuf et toujours faire ce qu'il y a lieu de faire pour toujours garder l'éclat, pour toujours la garder aussi lubrifiée et aussi sensuelle. Ok, donc regardez la vidéo jusqu'à la fin, soyez attentif par rapport à ce que je vais dire et par rapport à ce que je vais faire. Et quand votre chéri viendra toujours vous demander, un seul nom sortira de votre bouche: Marie-Léonie Coach, c'est elle. Ok, bien, pour cette préparation, nous aurons besoin du clou de girofle en morceaux, du clou de girofle en poudre, que voici, c'est ce que j'utilise pour ma cuisine, du miel, que voici, et enfin de l'eau chaude, que voici. Avant toute chose, vous devez savoir que cette boisson viendra non seulement nettoyer votre système immunitaire dans l'ensemble, elle va également nettoyer et purifier vos reins. Vous savez que le rein là, c'est l'organe épurateur, c'est l'organe là que quand il ne fonctionne pas bien, rien ne marche dans notre corps. Cette boisson contient également beaucoup de vitamines pour la santé de votre fleur. Vous devez également savoir que cette boisson que je vais vous montrer à l'aide du clou de girofle va rendre votre fleur plus glissante, plus limpide et plus appétissante, tout simplement. C'est très important. Du coup, je vais vous montrer deux astuces. La première est pour ceux qui souffrent du mal gastrique, car pour cela, le thé doit être hyper concentré. Vous devez donc prendre un verre ou alors une tasse comme vous m'avez vu le faire. J'ai mis le clou de girofle à l'intérieur et puis j'ai mis de l'eau chaude. Donc vous pouvez laisser selon le nombre de minutes que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit plus concentré, vous pouvez laisser 5 minutes. Pour les personnes qui veulent que ce soit normal, vous pouvez laisser juste 2 minutes et puis vous devez extraire comme ça pour recueillir le jus. Pour celui qui veut laisser plus, il peut laisser 5 minutes et comme ça le jus sera plus concentré. Après avoir extrait notre clou de girofle, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une cuillère de miel. Vous devez acheter vraiment du miel naturel, du miel pur. Pour la deuxième astuce, c'est également très simple, mes amours. Il suffit de prendre juste votre poudre de clou de girofle, que voici. Vous en mettez juste une petite quantité, comme ça, dans de l'eau. Vous pouvez également mettre plus selon que vous voulez qu'elle soit plus concentrée, votre boisson. Ensuite, vous ajoutez de l'eau chaude, comme ça. Ensuite, vous devez ajouter une cuillère de miel. Voilà, mes chéris, notre boisson, notre thé est prêt. Je vous le répète encore, cette boisson, ce thé va venir rendre votre fleur plus glissante, plus limpide, plus appétissante. Si vous étiez par exemple des femmes là qui sèchent rapidement, c'est-à-dire après avoir atteint un orgasme, quelques minutes après vous séchez, non, cela va venir arranger. Vous allez plus être glissante, comme je disais tantôt. Je vais faire une vidéo extra pour vous parler uniquement du clou de girofle, des cheveux jusqu'à l'ongle de vos orteils. Bien, mes amours, vous avez vu, c'était tout pour cette matinée.
magnifique astuce aujourd'hui. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin et qu'elle vous a merveilleusement plu. N'hésitez pas, faites cette astuce, elle viendra tout changer pour vous, je vous assure. Je me souviens encore à l'époque même, quand je voyais souvent mes tantes le faire, j'étais encore toute petite, je me demandais mais qu'est-ce qu'elle faisait. Mais aujourd'hui, plus le temps a passé, plus j'ai grandi, plus j'ai même testé. Je vous assure, c'est magnifique, le clou de girofle que vous voyez là, il a tellement de vertus. On prendra le temps d'en parler encore. De plus, vous savez que lire vos avis et vos commentaires me sont extrêmement précieux. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Dites-moi de quel pays vous me regardez pour que je puisse personnellement vous remercier. D'ici là, soyez de ceux-là qui sont généreux. Partagez cette vidéo au max car cela peut aider beaucoup de personnes. De plus, vous ne savez pas qui ça peut sauver dans son couple. C'était pour vous souhaiter un très bon début de semaine avec cette magnifique astuce. On se dit à très bientôt mes chéris. Vous savez que je vous porte dans mon cœur. Je vous souhaite une excellente semaine, qu'elle vous soit très très fructueuse. On se dit à très bientôt. Bisous, bisous.